Dans la nuit, à 1h30 du matin précisément, on a tous été réveillés par des tirs qui étaient dirigés directement contre le presbytère. Et c'était des tirs très violents. Jacques et moi, nous avons déjà été tournés à Beyrouth et ce n'étaient pas des tirs légers, c'était des tirs de matériel lourd. Nous avons été demandés la protection de la caserne, qui nous ont assuré que cette protection était là et qu'ils n'ont pas levé le doigt. Ils ne sont même pas venus le lendemain matin à la limite, à 9h30, avant notre départ, nous demander qu'est-ce qui est arrivé. Vérité, sous-causement. Tout ça qui fait, chaque après-midi, 4h, sur Radio Haïti. Nous dit tout le monde bonsoir. Puis, gros information, nous va gagner pour nous développer pour après-midi à dans journal ça. Port-au-Prince tête en bas depuis la nuit là pour toute la journée jeudi à. Bilan, yon moun mouri, 5 moun blessé, 10 fêtes et mette marché Salomon ensemble. Et puis, 10 fêtes en pile côté dans la province surtout, dans Saint-Marc-Bressé, pour les presbytères, dans Tigouave. Je voulais côté Fonds National Concertation Chita et puis je voulais l'autre caille encore dans Port-au-Prince. Kai Watson, je blessé mon yon, je battu pour faire relais. Vive là! La Bradelle là, et l'autre secondaire là, attends. Un petit descend, allez, bon, ça va. Allez, où est-ce que tu es là? Allez, rapide. Nous attendions des jeunes volontaires. Il devait aller à l'imprimerie Henri Deschamps pour aider à classer les bulletins pour leur expédition en province. Ils ne sont pas venus. Il n'y a pas de parents à laisser un jeune garçon de 16 à 18 ans et aller s'exposer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'enfants qui n'ont pas été à l'école ce matin. Il y a une foule armée de machettes, etc. Une foule excitée en direction du bureau politique de Bazin. On a fait savoir que après Bazin, que ça serait nous ici. Alors il faut s'attendre à tout. Ah, vous êtes là. La sécurité, nous ne l'avons pas. Et que le gouvernement en est responsable. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi c'est ma conviction que nous n'aurions peut-être même pas besoin de sécurité si le gouvernement prenait la décision d'intimider lui-même. De mettre fin à ce titre. C'est ça. Parce qu'il lui suffirait, de montrer qu'il veut que tout se passe bien. Et tous ceux qui continuent à agir dans l'ombre parce qu'ils se croient sûrs de l'impunité, et qu'ils le sont en fait. Je crois que c'est pour ça qu'ils... Un membre du gouvernement prenant ses distances par rapport à ces gens-là, nous aurions eu dans l'immédiat
un climat idéal pour faire des élections. Voyez, depuis tout ce temps qu'on tue, qu'on frappe, qu'on assassine et qu'on incendie, disons pratiquement en plein jour, puisque 11 heures du soir, avec des gens connus qui vont la torche à la main, les armes à la main, mettre le feu sans que le gouvernement s'en aperçoive. Mais la police alertée. Et, eh bien, les gens de la police ont déclaré clairement que nous ne viendrons pas. Voilà comment l'État fait son devoir dans ce pays. Non, pays, c'est pas eux, c'est du ça, déjà. Pays, c'est pas eux, les ouvriers, ils doivent mettre des falaises. Voilà comment la police fait son devoir, c'est comment le gouvernement remplit son rôle. Nous ne viendrons pas. Et ils attendaient paisiblement que la maison flambe ou que ma famille soit assassinée jusqu'au dernier. Le gouvernement paisiblement a attendu ça. C'est pourquoi, le lendemain, j'ai fait une déclaration à la radio et je dis que tout ce qui m'arriverait, je rendrai le gouvernement responsable. Et quand je dis le gouvernement, j'ai cité les noms de le général Henri Manfille, le général Régala et maître Luc Hector qui font partie des élections. Parce que je suis, moi-même, ma conviction est profonde est que si l'un d'eux disait arrêter, tout se serait arrêté. Ce pays a été humilié, ce pays a été dépecé. Ça a été une orgie de vol, corruption, déprédation de toutes sortes, le pays livré aux voleurs. Eh bien, on ne peut pas s'imaginer ça, mais ça serait plus grave. Parce que ce serait l'expérience du valérisme multiplié. Alors, même au prix de notre vie, nous allons faire les élections, parce que notre conscience nous ferait des reproches que nous ne pouvons pas supporter. Même les 13 qui ont ce temps-là, ils ont fini même 15 nègres en dedans, ils ont fini de camper en bas, ils ont fini de tirer en dedans. Fait balle. Donc c'est balle de Claude Edifier? Oui, c'est balle de Claude Edifier. Comment? Et nous-mêmes qui sommes dedans, nous ne pouvons pas souvent rien, balle ça? Toutes balles nous perdent dedans. Arrêtez, mais mon amour. Ok. Alors, on n'est pas passé. Bonjour, monsieur. Ici 3h pour ça. Vous vivez 3h, monsieur, aussi en pile balle. Pour la ville, là. Et c'est seul chien qui te gambou à japper, yo. Matin, là, en pile monde qui a regardé des gars, yo, qui fait, là, c'est une seule parole qui a fait dans la bouche, yo. Les trois tapou, yo, paré, pas paré, l'enterrement pour dimanche. Nous, là, nous suivons, nous informons. Gonaïve pour Haïti Inter, Jean-Laurent Nelson, studio, merci. C'est que Gomba qui intéresse nous. Normalement, soit, changement de pays, changement de vie de pays. Parce que surtout qu'on y a son crise qui a traversé là, qu'on y a là. Tout le monde en général, son crise qui a traversé. C'est que si l'élection est faite, complètement changé. Surtout pour Abotol, malade, définitif, malade, presque mort. Bonne marche, elle m'a réussi, elle qui peut compéter pour qu'elle tire à bout.
Est-ce que vous croyez tout si il y a une élection sérieuse qui fait, il y a parlé de décentralisation, mon cap gagne l'école professionnelle bah comme ça. Oh, si tu veux, si tu veux l'école professionnelle là, nous besoin. Nous besoin ça grand pile temps pour l'école là. Nous il y a droit faire son face. C'est pour changement, c'est pour changement, il y a battre mais bon c'est de monde qui pas veut voir changement, c'est pour eux-mêmes pour gagner. Full quoi bio. Il a metté l'argent dans la Banque de Suisse, dans la Banque Canada, dans le magasin, en pour même pas 5 ans pour voir et puis tu à l'école. Il ne reste plus que 3 jours. Le président des États-Unis, Ronald Reagan, et le pape Jean-Paul II prennent position sur la question des élections en Haïti le 29 novembre. L'armée patrouille à Carrefour Feuille avec des tirs sporadiques d'armes lourdes toute la nuit. La population reste chez elle, mais de maison en maison, les lambis répondent au bruit des balles. Quand tu as croisé, tu dois avoir un... Non, je sais, ça a son autre nom. Avec le sang, c'est dans la zone. Ça dit, il va fonctionner. Comment on va passer de sauter pour le fonctionner? Avec ce sang, nous gagnons pour nous. Non, bon, encore. C'est là seulement que tu es pour toi. Non, ça est sous. Bon, laisse l'eau, ça va venir, soit fait. L'eau va venir. On descend car il y a un album. Sous bête? Oui. Combien de temps vous arrivez là? En bas? Oui. Il vient, il y a un an. Il y a un temps, il vient tout. Qui va, vous côté beau? La pluie gagne 8 ans depuis la pluie va tomber dans le pays, mais nous ne sommes pas contents. Ni c'est grâce à la chauffe qui vous dit que ça va ici. 8 années? Oui. 8 ans. Depuis la pluie va tomber là. Même. Tu veux dire que 8 années là depuis nous pas jamais font récolte. Nous pas jamais faire rien même là, pas arrêter même. Là pas arrêter même. Pays ici pour nous d'abord bon ici si nous un gouvernement qui mettait un de l'eau dehors ben nous pour nous travailler. Bon, ok. Visiblement, communauté, je vous dis, t'es une série de monde dans le pays qui n'a pas l'élection faite. Mais nous-mêmes, pour qui n'a pas l'élection faite, parce qu'il y a un peu de gens. Il n'a pas l'élection. Alors nous-mêmes, personnellement, nous voulons faire l'élection. Et pour nous faire l'élection, nous avons une série de dispositions, n'oubliez pas. C'est-à-dire, pas qu'on dit à gâter l'élection pour de Brest. Mais nous t'avons la caille nous que nous n'avons pas gâté. Par exemple, nous avons une disposition qu'on a eu pour nous mobiliser les gens, nous monter brigade pour nous faire l'élection. Sous ça, vous inquiétez. Non, mais oui. Son doit nous gagner. Non, mais on est pas. Nous fait bon ici. Parce que vous avez un gros problème qui arrive. Moi-même, personnellement, c'est son vieux. Non, pour nous, c'est vieux tigouillé. Vieux tigouillé. C'est-à-dire que. Il y a 40 ans de lutte démocratique.
là, si nous continuons à vivre là, c'est mourir, on a mourir. Ou bien on a déserté les zones, hein? Ou bien on a mourir. Donc c'est son choix pour nous faire. Oh, si nous avons l'autre côté, nous ne savons pas qu'ils n'ont pas le faire. Qui va le faire de l'autre côté? Hein? Bon, on va le faire. Donc c'est la caillou, là où on était, c'est là pour organiser nous. Donc c'est organiser pour nous organiser. Alors c'est la période ça que nous y est là, et pour nous connaître, pour nous organiser nous. Et il y en a un bagage pour nous organiser. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas faire l'élection. Quand il y a nous-mêmes personnellement, c'est pour nous désigner, nous dire, faire l'élection, non pas pour nous nommer député Malachon, mais pour nous nommer député tout bon. Pour nous nommer sénateur tout bon, pour nous nommer président tout bon, qui va venir gourmer avec nous. Et nous-mêmes tout, il faut nous gourmer tout. Il ne faut nous pas croiser bras nous. Parce que je ne peux pas demander pour nous faire confiance. Non. Parce qu'en général, en Haïti, nous avons une conception de chef. On dit, oh, ou dit, ou l'on met un chef, et pour un bâton, ou l'on j'ai bâton en balai, ou dit bâton contre pito. Un chef, c'est un monde qu'on voyait pour remplir une mission pour vous. Et s'il n'a pas rempli mission, ou relé d'elle. Bab Kamadou prend du feu, mettez poids à la trempe. Alors, je dis à comme à coup de criminel, incendié, boulé, antenne radio lumière. Nous condamnons Zak Malhonnête ça avec toute force nous. Mais messieurs, pas dire condamner seulement, mais vous demandez pour le peuple là mobiliser pour aller surveiller antenne radio. Yo. Antenne radio, yo, ça veut dire, d'après ça, vous fait qu'on est, toute radio. Vous citez nos radios. Alors, communiquer ça, demandez pour le peuple là surveiller antenne ça la nuit ou la journée. Parole l'a dit, l'obab camarade prend du feu, mettez pour à la trempe. Mais chanter à, c'est jouer à jouer. C'est jouer à jouer. Fin boîte. Fin manger dans le cimetière, l'ennemi barre moi. Mais il faut m'entrer la caille, quand même. C'est jouer. Y a jouer. Nous allons chanter ça. Nous chantons pour nous dire tout le monde bonsoir. À demain. Toute qualité nouvelle mon ami qui est pour tout haïtien capoté. Message nous parle d'un DA, c'est candidat qui payait pour passer sur radio. C'est Arnold Antonin, haïtien natif natal, professeur qui fait cinéma, qui a parlé avec nous encore. Mon national concertation voit moi comme candidat au Sénat. Je dis avec pas jambes, il y a raison devant poule. Je dis avec pas jambes, il y a raison devant même côté. C'est Arnold Antonin, grand candidat qui aime Baba Clinet Plan, c'est avantage Baba Moustache Peuple. Bon photo, n'a pas eu flé dans une poignette. C'est symbole pour un tout pas oublié. Vous pitez nous, ça va craser des deux en pas. Je veux travailler, j'ai clé. Avec ce nouveau pouvoir, pendant la journée, on parle de la démocratie. Et pendant la nuit, avec les escadrons de la mort, on fait comme Duvalier. On frappe les gens. Donc, ils agissent à la faveur de la nuit. Certains, vous êtes ogonaïves, et vous avez ogonaïves, et bon, et l'impression que vous avez, bon, on est dans un pays libre. Vous parlez à n'importe qui, on vous répond, etc. On vous répond, les gens n'hésitent pas à dire leur opinion. C'est ça, apparemment, c'est ça. Mais, on n'a pas la nuit pour nous. Hein. C'est... Guillaume Bagayori, en Haïti, Zobo. Donc, les gens ne savent pas comment ils Zobo. Malade, l'âme d'où Gonaïve malade là, faut c'est bon Dieu pour voir un bon docteur pour venir traiter nous là. Parce que moi-même, chita là, le soir, à partir des 6 heures, je ne peux pas respirer. Si mon petit, c'est gros vieux rat nous oblige à mettre sous yo pour que je ne pas finir. Et puis, malaria même surtout, malheureux où il le docteur là, j'ai une gazette, pas de quoi pour aller. Dans la gazette là, où est le problème? Qui vient nous parler de qu'importe qui vient monter sur nous là? D'après nous, c'est pour l'argent, il y a un chita sous pouvoir. Si nous voulons quoi, nous même bon, ici, nous faisons bon choix. Ah non, nous faisons bon choix. Ça, c'est bon. Nous faisons le soleil. Mais tous les gens, tous les groupes qui luttent pour un certain changement sont sérieusement menacés.
Donc, c'est assez. Oh bon, je suis menacé parce que je suis connu comme un antimacoute, c'est clair. Et à cause de mes idées, je suis menacé. Mais je ne suis pas effrayé. Hein? C'est certain, je ne vais pas faire de bravade. Je dois prendre mes précautions. Et on ne peut pas s'adresser à l'armée pour avoir des précautions, la garantie qu'il faut, la protection, disons mieux, la protection qu'il faut. Parce que je ne suis pas certain que l'armée soit disposée à accorder cette protection-là. Allez, il y a 5 timounes, c'est pas timoun petit, mademoiselle Kosa, baccalauréat, philosophie, comprenez? Sans pas jamais de travail, pas de faire. Kosa, ma page, je vais dégager. Mes sélections sont faites. Même moi, même pas la voix. T'as senti ça me dire là? Pour ta femme, j'ai une satisfaction. Même si je suis pas gros, même un petit petit. Mais si nous, tout en boule, ça en boule, ça n'a pas. Nous, 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 même bagaille là. On va balle, on va balle, on va chapelette, on va dictature, tout va la pire. C'est au bac à parler, au bac à faire. Yo, là, mes bicyclettes, vous dégoûtez, yo, chef, yo, il prend une bicyclette dans la main, yo, bah oui. Yo, va dégoûter. Ça, vous allez faire. C'est ça fait grand peu de douleur quand vous parlez, il n'y a pas de pour parler. Je vais aller ensemble avec vous. Donc, c'est ça qui fait vous mettre du feu dans le silo. Malfecteur, ça vous fait chanter sous le cas Jean-Gélé Marius, animateur groupement paysan. Malfecteur, puis du feu dans un silo, côté 600 paysans dans la zone, c'est conservé 4535 mamites maïs. Avant, il y a mis du feu dans la misère et la lagué au conduit là, des bois pendiers. Et le peuple haïtien, jusqu'à présent, veut adopter la voie pacifique. Veut adopter la voie pacifique. Et malgré les provocations, jusqu'à la limite du possible, hein, mais quand même, c'est une situation très difficile. La voie choisie par le peuple haïtien, pour moi, est une voie très difficile. À notre sommaire ce matin, le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale réaffirme que le maintien de l'ordre est de la responsabilité exclusive des forces armées d'Haïti. Le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, signé du major général des forces armées d'Haïti, Williams Regala, a été diffusé à la RTNH. Le général Nafi a traversé la salle. Il était dans un autre groupe. Il a traversé la salle et il est venu nous trouver. Nous saluer très cordialement. D'ailleurs, tout le reste de la conversation a été très cordial. Comme nous parlions des difficultés auxquelles le pays faisait face et nous discutions de l'inaction du gouvernement. Car pour nous, le gouvernement devait prendre ses responsabilités devant la situation qui allait en se dégradant. Il nous a dit, pas il m'a dit, il nous a dit, c'est Pinochet, n'a pas cherché, n'a pas joué. En d'autres termes, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de chercher un Pinochet, vous allez finir par le trouver. Le Pinochet, était-ce lui? Est-ce qu'il l'a dit en bombant le torse? Non, mais il l'a dit en trois fois au cours de la même conversation. Et la première fois, je l'ai interprété comme quoi, une mise en garde. Et si vous ne faites pas attention, le gouvernement que je préside peut être renversé par un général qui sera un Pinochet. Les deux autres fois, nous avons tous gardé l'impression que le Pinochet, c'était lui.
nous avons trop souffert de ce régime Makout, à tous les points de vue. Au point de vue de la liberté et au point de vue de la sécurité en général, de la vie des individus. Et le pays est complètement désorganisé. Et s'il arrive par hasard que ces gens-là se maintiennent au pouvoir, mais on a l'impression que le pays sera rayé de la carte du monde. Thank you.